todo lo daría por estar contigo, aunque sea por un momento. Y no encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón. Solo sé que yo a tanta inspiración, y yo que con mirarla ya pierdo la razón. Oh, y todo lo daría tan solo por un beso, y todo lo daría por estar contigo, aunque sea por un momento. No encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Je vais faire une exception parce que ce n'est pas un endroit pour un gosse. Il n'arrête pas de pleurer, tu vois il bien. Il a peur, il et a peur. Et c'est pour ça que je voudrais un petit pourboire, tu veux? Un petit pourboire oui, quand mais tu oui, partiras. Bien sûr, bien sûr. Et calme ce gamin, ok? Alors c'est mon fils. Malheureusement pour lui, oui. Bonjour, mon amour. Bonjour, mon amour. Ne pleure pas. Tu sais qui je suis, moi? Je suis ta maman. Qu'est-ce que tu croyais, hein? Qu'en me disant de partir, j'allais partir calmement. Que j'allais t'oublier, toi et tout ce qu'on a vécu ensemble. Je suis triste, mon ange. C'est vrai. Toi, tu as décidé de me quitter. Mais moi, j'ai envie de te garder ici, dans mon cœur. Tout d'un coup, je n'étais plus celui que tu espérais. Je ne remplissais plus tes attentes. Mais toi, oui, mon amour. Toi, tu remplissais encore mes attentes, et plus encore. Tu as érigé mon cimetière. Tu es ma vie. Tu es mon amour, ma raison de vivre, et j'ai espoir qu'un jour, enfin, je te reverrai. Voilà ce que je veux, Roberta. Que mon enfant naisse, le serrer dans mes bras, lui apprendre à être fier de son papa. Parce que c'est ce que tu es, bébé. Tu es un petit morceau de Sébastien. Tu es mon plus beau cadeau, tu es mon plus beau souvenir. Et tu seras toujours avec moi, bébé. Tu me rappelleras toujours combien ton papa m'a aimé, à quel point il m'a aimé. Parce que tu sais, le bonheur qu'il m'a donné et tous les rires qui sont à toi désormais. Parce que tu es cela, bébé. Tu es le prolongement de cet amour qu'on a ressenti. Et c'est pour ça, pour toi que je vais de l'avant et que je vais essayer d'oublier toute la tristesse que j'éprouve. C'est pour toi que je vais vivre, bébé. Rien que pour toi.
Où est-ce que tu gardes ce dossier, Attilio? Où est-ce qu'il est? Tu as mis les clés. Allez, Bayon. Où est-ce que tu gardes le dossier? Je sais que tu l'as. Ce dossier, tu l'as. Voyons voir ici. Elles sont là. Les imbéciles sont tellement prévisibles. Dossier sur l'affaire Ruiz. Le seul qui ait le droit de consulter les archives du chef, c'est Monsieur Attilio lui-même. On a donc un problème. Cherry, allez, dis-moi oui. Allez, Cherry, s'il te plaît. Écoute, on ne va pas rester ici comme de malheureuses. Tout le monde est au village pour la fête d'investiture de Monsieur Attilio. Margarita, non. Je n'ai vraiment aucune envie d'aller où que ce soit, et encore moins à cette stupide fête au village. Tu es comme ça à cause de lui, pas vrai? De Sébastien. Tu sais, ce qui se passe, c'est que... Ah, Cherry, Cherry. Excuse-moi de te dire ça, mais... Cherry... Tu n'accepteras donc jamais le fait que tu as perdu cet homme. Cherry, la vie continue et tu ne peux pas continuer à te morfondre comme ça. Margarita, je fais quoi? C'est pas facile, ce n'est pas facile. Je n'arrive pas à me l'ôter de la tête. Il est présent en moi, il est présent dans mon ventre. Non, je ne sais pas comment faire, je ne peux pas. Cherry, écoute. Stop. Ne m'écoute pas. Moi, je dis beaucoup de bêtises et... C'est vrai. Que tout ça est très récent et bon, ce bébé va te faire penser à lui tous les jours de ta vie. Mais enfin, écoute, la première chose que tu dois faire, c'est de ranger définitivement cette robe. Je ne peux pas vivre sans toi, mon ange. Je n'arrive pas à accepter de te laisser en paix, plus jamais te revoir. Que fais-tu, Paola? Mais enfin, ce n'est pas la première fois. Ne m'empêche pas. Laisse-moi te faire plaisir. Tu sais que j'adore ça, hein? Paola, tu sais, je crois que ce n'est pas le bon moment. Je... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Est-ce que tu n'aimes plus notre petit jeu préféré? Hein? Dis-moi que non. Ne t'énerve pas, là. Le patron m'a demandé d'aller chercher des papiers et c'est ce que je suis venu faire. Chercher des papiers. Reste tranquille. Attention. Je ne crois pas que le chef vous ait demandé d'aller chercher quelque chose dans les archives. Calme-toi. Tu sais qu'il nous a dit que si jamais quelqu'un touchait à ses papiers, on devait le buter. Mais bon, reste tranquille. Mais, il m'a dit d'aller chercher ses papiers. Reste tranquille. Un coup pourrait partir. Écoute, si je ne lui apporte pas ses papiers, le seul qui risque de finir mort, c'est toi. Reste tranquille. Vous allez crever ici. Attention, Maria, un coup pourrait partir. Affaire Maria, pourquoi elle vous intéresse cette affaire? Pourquoi elle vous intéresse cette affaire? Elle ne m'intéresse pas. Pourquoi elle m'intéresserait? Écoute, le patron m'a demandé d'aller lui chercher ses papiers et j'obéis tout comme toi. Reste tranquille. Attention, un coup pourrait partir. Reste tranquille. Vous croyez reste peut-être tranquille. Que je vais avaler cette affaire parce que vous êtes en train de me menacer, non? Hein? Reste tranquille. Écoute-moi, c'est la seule chose que je peux te dire, c'est que si un coup part tout seul, tu vas faire de ma fille une orpheline. C'est ça. Et tu auras les mains tachées de sang. Reste tranquille, gamin, reste tranquille. Du calme. Tu veux tirer? Eh bien, vas-y! Vas-y, tire! Eh bien, tire une bonne fois pour tout! Tire, eh bien, vas-y! Allez, tire! Tire une bonne fois!
Enfin, on s'est échappé de ce traquenard. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et moi aussi, mon amour. Mais laisse-moi te dire la vérité, même si je n'ai bu qu'une gorgée, c'est plus qu'assez. Stop, je ne bois plus. Oui, tu es un peu pompette. Hein. Un peu. On va faire quelque chose alors. Quoi? Je vais te faire un petit café pour que ça passe. Ça marche? Je vais à la cuisine. Non, 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 non. Tu sais ce que j'aimerais faire? J'aimerais que tout le monde s'en aille et qu'il nous laisse seuls. Ou non, en fait. Non, mieux. Qu'il reste seul et que nous, on s'en aille, toi et moi, seuls, faire des cochonneries. Des cochonneries. Mais voyez comme vous êtes, Madame Cabalda. Allez, arrête. C'est dommage, c'est dommage. Non, non, sérieusement, laisse-moi aller faire un petit café parce que je crois que toi et d'accord, moi, on en a bon, vraiment bon, besoin. Bon. Un bisou, un bisou. Rinaldo, quelle chance de te trouver, il faut que je te parle. Non, Martina, un moment, tu ne m'as pas félicité. C'est un vrai. Câlin et un baiser. Oui, c'est vrai. Mais écoute-moi, il faut absolument que je te dise une chose c'est urgente. C'est parfait. Un câlin et un baiser. D'accord. Rinaldo, je te souhaite tout le bonheur que tu mérites. Merci. Merci, Martina. Maintenant, oui, dis-moi ce que tu avais à me dire de si urgent. Bon, écoute, il s'est passé quelque chose de très étrange. Ça m'a fait bizarre parce que justement, pendant le mariage, un homme a téléphoné et il a demandé si c'était bien là que vivait le docteur Anna Julia Briseno Mendizabal. Comment ça? Quelqu'un a appelé pour parler à Anna Julia? Attends, Martina. Attends. J'ai bien entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Non, c'est bon, mon cœur, c'est bon. Calme-toi, il doit bien y avoir une explication. Non, t'en fais pas, je ne suis pas énervée, je suis calme. Mais qu'a-t-il dit? Martina, tu as bien entendu, tu en es sûre? Écoutez, je suis aussi nerveuse que vous deux, mais oui, j'ai parfaitement bien entendu, je vous le jure, c'est un homme qui voulait parler à Madame Anna Julia. Et cet homme n'a pas laissé son nom? Il n'a rien dit de plus? Non, un message, non, rien. Il a seulement demandé si c'était la maison du docteur Anna Julia Briseno Mendizabal. C'était quand ça, Martina? Juste au moment où on vous a déclaré mari et femme. Allez, vas-y! Tire! Allez! Tire! Allez, que Dieu ait pitié de moi! Tire, mon sang! Ah, je suis maladroit, excuse-moi, je voulais pas. Non, ne t'en fais pas. Foutez le camp d'ici avant que je regrette, allez! Cassez-vous! Reste tranquille. Je vais prendre dégagez. Mon chapeau. Qu'est-ce que tu attends? Que je tourne le dos pour tirer? C'est ce que tu attends, hein? Hein, c'est bon? Je viens vous le dire. Si vous tenez à votre vie, vous vous cassez tout de suite. C'est bon, reste tranquille. Du calme. Tu aurais pu déjà me tuer. Pourquoi tu l'as pas fait? Je me serais jamais pardonné d'avoir fait ça à votre fille. Non. Y a un truc, là. Tu me fais penser à un bon ami que j'ai perdu. Vous avez perdu un grand ami? Et moi, j'ai perdu un oncle que j'adorais. Le caïman le plus inoffensif de tout San Juan. Je ne sais pas si je vais réussir à tout faire, tu sais, parce que... J'essaye, mais... Tout ce dont j'ai envie, c'est de partir en courant retrouver Sébastien, de le serrer fort, de lui dire que je meurs d'envie d'être avec lui. Charlie, écoute, je crois que tu as déjà trop pleuré pour ce type, alors que c'est toi qui l'as voulu, hein. Ne l'oublie pas. Oui, je sais, mais c'est qu'au-delà de ce que je ressens, il y a le bébé qui... Bon sang, il va naître sans son papa. Stop, Charlie. Bon, écoute, si ça se trouve, avec le temps, je sais pas, tu rencontreras un homme bien et tu te remarieras avec lui. Non. Non, Margarita. Je serai toujours mariée à Sébastien. Même s'il en rencontre une autre et refait sa vie, moi, je serai toujours sa femme. À cause de tout ce qu'on a vécu ensemble et à cause de ce bébé. J'ai tellement envie de toi, mon amour. Bah, là, je t'ai dit que c'était pas le moment. Quelqu'un peut entrer. Ne t'en fais pas. Personne ne va entrer. Laisse-moi faire, hein. Allez. Paola, s'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Est-ce que tu me rejettes, hein? Qu'est-ce qu'il y a?
Qui pourrait rejeter une femme comme toi, Paul? Non, allez, ne fais pas allez, ça. Détends-toi, détends-toi. Ferme les yeux et laisse-moi te faire l'amour comme moi seule sais le faire, d'accord? Bon, Martina, dis-moi, cette personne a bien dû dire quelque chose d'autre. Détends-toi, hein? Détends-toi et essaie de te souvenir. Qu'a-t-elle dit? Bah, il a peut-être dit quelque chose d'autre. Ce qu'il y a, c'est que je faisais attention au mariage. Je n'ai écouté que d'une oreille ce qu'elle me disait au téléphone. D'accord, c'est bon, Martina. Mais d'habitude, quand quelqu'un appelle chez les gens, il se présente au moins. Ne vous mettez pas en colère, docteur Valéria. Figurez-vous que je suis tellement bête que je ne lui ai pas demandé son nom. Non. Bon, calme-toi. Cela dit, je me demande si tous les gens qu'Anna Julia connaissait, rien que dans ce pays, bien s'ils savent qu'elle est morte. Bien, je ne sais pas. Moi, je me demande plutôt si ce n'est pas quelqu'un de l'étranger, non? Et quelqu'un qui la connaissait bien, parce qu'il connaissait son nom en entier. En plus, il a dit qu'elle était docteur, non? Bon. Oui, bon, mais ne vous en faites pas. Allez prendre vos photos ensemble. Écoute, mon chéri, si cet homme rappelle, je te promets que je lui demanderai son nom. Comment cette femme a-t-elle pu se retrouver ici? Une doctoresse renommée, qui, pour sa famille et le reste du monde, est morte et enterrée. Et qui, en réalité, est emprisonnée et sur le point d'être jugée comme la pire des criminels. Comment a-t-on pu en arriver à une pareille situation? Comment un médecin peut-il se retrouver amnésique au beau milieu de la forêt? Et par-dessus tout, oublié aux yeux de tous. Oui, mon amour. Ah, tu le rends nerveux. Mais c'est un grand garçon, très grand et très fort, mon petit chéri. Comment il s'appelle? Et comment veux-tu qu'il s'appelle? Melquiades, comme son papa. Tu ne vas pas me dire que tu as oublié le nom de ton fils. Je peux porter. Une minute. Viens, mon amour. Viens, mon petit chéri. Viens avec ta maman. Ah non, rends-moi mon fils, tu le rends nerveux, il ne veut pas que tu le touches. Allez, s'il te plaît, rends-le-moi. Non, laisse-le-moi. Donne-le-moi. C'est parce que ça fait longtemps qu'il ne m'a pas vu, et peut-être que si tu me l'amenais chaque semaine, s'il te plaît. Quoi? Mais t'es complètement taré, ma pauvre. Qu'est-ce que tu racontes? Oublie ça. Tu as laissé passer ta chance. J'ai tenu parole, alors rends-moi mon fils, on y va. C'est aussi mon fils, et j'ai des droits sur lui. Écoute, Maria Ruiz. Cet enfant ne t'aime pas, et ne t'aimera jamais parce que t'es une criminelle. Alors oublie qu'il existe, ok? Rends-moi mon fils. Non. Ah, mais tu vas me le rendre? Non. Donne-le-moi! S'il te plaît, Nicky. Rends-le-moi! Mais ça va, je te le répète, donne-le-moi! À vrai dire, je ne comprends pas comment, alors que t'es le neveu de Cayman, tu peux travailler pour ces gens, hein? Tu sais que si Attilio ou un de ces hommes apprend qui tu es, ta vie ne vaudra pas un clou? Ouais, je sais, ok, je sais. Mais pour l'instant, j'ai fait très attention et comme ici, personne n'a envie de connaître les autres, bah, ça va, non? C'est, mais si c'est parce que t'as besoin d'argent, y a d'autres manières de gagner de l'argent sans vendre son âme au diable. Non, ok, non. Ces gens me doivent quelque chose et je compte bien leur faire payer. On est deux. Imaginez ce que j'ai ressenti quand j'ai appris que c'était Jairo qui l'avait tué. Comment? C'est ce rat qui l'a tué? Aidez-moi, monsieur Roquet. Aidez-moi à venger mon oncle, ok? Que sa mort ne reste pas impunie. Je vous le demande au nom de votre amitié. Il faut que j'arrête de pleurer parce que mon père va rentrer d'un moment à l'autre et je ne veux pas qu'il me voie ainsi. Il vaut mieux que je me dépêche de préparer le déjeuner. Charlie, ça c'est pas croyable. Ton père est devenu l'adjoint de Monsieur Attilio. C'est un poste dangereux, tu sais. Je sais pas. On dit tellement de choses horribles sur cet homme que je ne sais pas quoi penser. Bon, mais tu sais que les gens parlent beaucoup et... Bon, le village est petit. Ouais. Moi, ce que je vais faire, c'est bien cacher cette robe pour ne plus jamais tomber dessus. À qui vas-tu faire croire ça, Chari? Allez, Margarita, fais au moins semblant de me croire. Je sais pas, soutiens-moi un peu. Mais c'est la vérité, Chari. Tu ne vas pas arrêter de souffrir à cause de Sébastien juste parce que tu caches cette robe. Eh bien, alors que je souffre,
que je souffre autant que je dois souffrir pour que je puisse l'oublier tout d'un coup. Voilà. Il s'est déjà remis avec sa copine, lui. Il est heureux et il m'a oublié. Paola, s'il te plaît. Calme-toi, mon amour. Tu adorais ça, tu ne te souviens pas? Détends-toi, on va passer un très bon moment. Tu vas voir, Sébastien. Paola, s'il te plaît, j'ai dit non. Je t'ai dit non, stop. Comment ça non, chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Paola, tu as oublié que c'est le mariage de mon frère. Ah, et alors? On doit s'occuper des invités, t'as oublié? S'il te plaît, Paola, rhabille-toi. On se retrouve dehors. Sébastien! Ce n'est pas possible, mon Dieu. Il m'a repoussé, bon sang. Je suis sûre que c'est à cause de cette sale paysanne. C'est ça, non? Bien sûr. Il est malheureux. Ça ne peut être que ça. Il est malheureux. Non, s'il te plaît, non. Ne me l'emmène pas tout de suite. Laisse-le-moi un peu plus pour voir s'il s'habitue à moi. Tu ne vois pas que le petit ne veut pas être avec toi? Qu'il a peur à cause de cette porcherie? Donne-moi mon fils, s'il te plaît, donne-moi mon fils. Donne-le-moi. Viens, bonhomme. Et regarde-le bien, d'accord? Parce que c'est la dernière fois que tu le vois. Selon toi, c'est mon fils, n'est-ce pas? Alors je vais te forcer à me l'amener. Si je suis sa mère, j'ai des droits sur lui. Quel droit as-tu? Tu as perdu tes droits le jour où tu es entré dans cette prison. Et si tu veux, tu peux le dire à cet idiot de Roquet. Dis-le-lui. J'ai tout vérifié. Et mon fils a le droit de grandir sans l'influence d'une mère criminelle comme toi. Alors regarde bien parce que tu ne le verras plus jamais. Gardienne! Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ne l'emmenez pas, s'il Oublie vous plaît, ton ne l'emmenez fils. Pas. Je t'en bon, supplie. Allez, c'est fini ne pour aujourd'hui. Pas. C'est la fin de la visite, ma petite. Écoute, Rinaldo, cet appel peut provenir de l'un de ses amis médecins. Il l'a appelé de l'étranger. Mon amour, tu ferais mieux d'aller rejoindre nos invités. Ils vont croire qu'on est parti. Allez, mon cœur, j'arrive tout de suite. Mais si tout le monde médical le sait, si cette personne connaissait Anna Julia, bien elle me connaissait forcément. Pourquoi elle n'a pas demandé à me parler? Bon, on laisse tomber, d'accord? On va oublier ça. Si ça se trouve, il a demandé à me parler. Mais Martina ne s'en souvient même pas. Bon, stop, affaire classée. Excuse-moi. Ce qui se passe, c'est que j'ai commencé à imaginer des choses, et bon. Des choses, mon amour? Comme quoi? Des choses. Juste des choses, mais... Mais ne parlons plus de ça. Écoute, pourquoi, ma chère femme, pourquoi ne m'embrasses-tu pas? Et comme ça, je recharge mes batteries, hein? Qu'en dis-tu? Ah ah, je vous y prends. Mais gardez-en un peu pour la lune de miel, non? Ne t'en fais pas, Corinna. Pour la lune de miel, il y a plus ou moins des... Je ne sais pas, milliers, milliards, millions, non, des milliards de bisous de prévus. Ils sont réservés. Alors prépare-toi. Bon, je vous laisse. Ne tarde pas trop. J'arrive. Ay, cet homme est complètement fou de toi. Dis-moi, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es toute bizarre. T'as pas une tête de jeune mariée, là? Qu'est-ce qu'il y a? Corinna, qu'est-ce qui se passerait si Anna Julia était en vie? Oui, Corinna, un homme a appelé pour savoir si Anna Julia vivait ici. Tu ne peux pas laisser tomber tous les invités à la fête de ton mariage pour un appel téléphonique. Hein? Un appel que Martina n'a même pas su t'expliquer. Je sais. Mais je dois avouer que ça me fait réfléchir, c'est vrai. Ça n'a aucun sens. Tous les gens qui connaissaient Anna Julia, eh bien, ils savent qu'elle est morte dans cet accident. C'est bizarre, non? Non. Bizarre, c'est moi dans ce costume qui me va comme un gant. Oublie tout ça. Profite de la fête. Tu as vu ma poupée, Rinaldo? Tu as vu comme ça lui va bien, le rouge sur... Waouh!
vive le marié. Patty. Hey, tu t'amuses bien, non? Tu t'amuses bien, non? Et alors, danse avec elle. Vive le marié. Hey, vive le marié. Je crois que Patty est bourrée. Tu crois? Et vive la mariée. Vive la mariée. Vive la mariée. Où est la mariée, au fait? Là. Où ça? Où ça? Ouais. Emmène-la, emmène-la. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu as vu la quantité d'hommes célibataires qu'il y a, et cette fille vient te chauffer, toi, qui viens de te marier. C'est pas ridicule, hein? Si, c'est ridicule. Vraiment ridicule. Et tu as vu Valéria passer, n'est-ce pas? Valéria, oui, je l'ai vu passer. Elle faisait quelle tête? Quelle tête, tu crois? Tu veux que je te dise? Reynaldo, c'est un conseil, parce que tu es le fils aîné, parce que tu es mon frère. Tu vois, ce genre de femme adore détruire les mariages. Alors s'il te plaît, va rejoindre ta femme qui est vraiment ravissante. Oui. Vas-y. Oui, tu restes. Bien sûr, Reynaldo, vas-y. Et alors? Comment ça s'est passé? J'ai gagné, Caillon, sur toute la ligne. Avec le score le plus élevé qu'on ait encore jamais vu. Désormais, je suis le nouveau maire de ce village. Je te félicite. Je trinque à ta victoire. Ben, une grande victoire qui va se concrétiser très rapidement, partenaire. Parce que maintenant, je suis le maire de ces terres, de l'or et des diamants. On va creuser autant de mines qu'on veut, avec un contrôle total. J'espère bien, Tilion. J'espère bien. Écoute, encore une chose que je voulais te dire, Caio. J'ai engagé un type qui va mettre la main sur le poseur de dynamite. Un type sérieux, sans âme. Et le mieux, c'est qu'il va être à notre entière disposition tout le temps. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais parler à mon père, Roberta. Je vais le convaincre d'aider Maria. Bonjour, Charlie. Papa, quelle chance que tu sois là. Viens, il faut qu'on parle. Non, attends un petit peu, Charlie. D'abord, je veux que tu rencontres quelqu'un. C'est un ami, Charlie. Bonjour, Charlie. Benjamin? Ah, mais vous connaissez? Enfin, je sais que t'es déjà venu une autre fois, mais Charlie, comment tu connais son nom? C'est que j'ai croisé votre fille au village, monsieur Roquet. C'est que Benjamin m'a sauvé alors qu'une voiture allait me renverser. Mais comment une voiture a failli te renverser? Non, mais rien de grave, mais il m'a sauvé la vie. Bon, si c'est ça, je te remercie. Bienvenue chez nous, Benjamin. Merci. Tu sais quoi, mon pote? Sans la musique, on pourrait croire que t'es à un enterrement. C'est faux, pourquoi tu dis ça? Je vais bien. Écoute, j'imagine que maintenant qu'on a eu nos diplômes, ce qui t'attend, c'est le mariage avec Paola. Ton père s'associe avec les Benitez Alfano, et toi, tu pars en Italie pour t'occuper de tout. Je sais pas, Arturo. Je ne sais même pas ce que je vais faire demain matin. Qu'est-ce qui se passe, mon pote? Écoute, tu es en train de t'enfoncer dans un puits sans fond. Un puits qui s'appelle la dépression, tu sais. Peut-être, mais il y a que là que je veux être. Sans vous manquer de respect, monsieur Roquet, mais... laissez-moi vous dire que vous avez la fille la plus belle de tout San Juan de las Minas. On dirait même une biche. Une biche. C'est comme ça que m'appelait un ami que j'aimais beaucoup. Qu'on aimait beaucoup, n'est-ce pas, papa? Oui. Et tu vas pas me croire, Thierry. Mais il se trouve que Benjamin n'est ni plus ni moins que le neveu de Cayman. C'est pas possible. C'est vrai? C'est pour ça que tu as cette énergie si belle, semblable à celle de ton oncle. À vrai dire, ça a été une perte très dure pour tous, non? Oui. Bon, mais n'en parlons plus. En hommage à Cayman, tu restes déjeuner avec nous. Non, bien sûr que oui. S'il vous plaît, on m'a appris à dire non, je suis un peu étonné. Pour être poli, tu vas refuser quelque chose à ma fille. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors si vous insistez, j'accepte, ok. Allez, fous le camp, saloperie. En plus, laisse-moi te dire que c'est pas parce que c'est ma fille chérie, mais c'est la meilleure cuisinière du monde. Oh, papa, ça va pas de dire ça, s'il te plaît.
Ça, j'en doute pas un instant, monsieur Roquet. Pas un instant. Et tu ne t'es pas dit qu'elle avait sans doute quelqu'un ? Écoute, Seb, je veux me faire l'avocat du diable. Mon pote, elle t'a quitté. Toi-même, tu m'as dit qu'un beau jour, elle s'est levée et elle ne voulait plus te voir. C'est vrai, Arturo. Et c'est ce qui me fait le plus de mal. L'incertitude. Pour tout te dire, je ne sais même pas pourquoi Charlie m'a quitté. Et pourquoi veux-tu le savoir, Seb ? C'est fini, c'est tout, c'est comme ça. Réagis, tu as la vie devant toi, mon pote. Qu'est-ce que tu crois, hein ? Tu crois que ça me plaît d'être comme ça, Arturo ? Ce n'est pas de la rancœur, ni de la colère. J'aimerais oublier. Alors raison de plus, mon pote, c'est fini, tourne la page et voilà. Ce n'est pas si facile, Arturo. Charlie est devenue ma raison de vivre. Ma raison de vivre. Je peux rien y faire, Arturo. Mon bonheur. Ma raison de me lever le matin. Mon humeur, mon allégresse. Je peux pas vivre sans elle. Je ne vais jamais pouvoir tourner cette page, mon pote. Mon vieux. Bah alors tu es mal barré, tu sais. Parce que ton corps est ici. Mais ta tête est ailleurs, occupée à chercher des réponses qui forcément vont te faire souffrir. T'en es conscient ? Et qu'est-ce que vous racontez ? Vous n'auriez pas vu Valeria ? Non, Reynaldo. Mais alors, mon pote, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as déjà perdu la femme que tu viens d'épouser. Tu es fou, toi. Qu'est-ce que tu crois ? Elle vient d'épouser et elle a fui. Santé. Santé. Santé, Reynaldo. Félicitations. Merci. Pardonne-moi, Anna Julia. Pardonne-moi. Je sais parfaitement que je ne devrais pas être chez toi, dans ton foyer. Dans ta maison. Dans la maison dans laquelle tu as été si heureuse. Ma chérie. Pardonne-moi, Anna Julia. Pardonne-moi d'être dans ce petit morceau du cœur de Reynaldo qui t'a appartenu un jour. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'être si lâche. De ne pas dire la vérité. Que cet enfant que je porte en moi n'est pas mon enfant. Que c'est ton enfant, Anna Julia. Pardonne-moi. 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 Tu es ma meilleure amie. Non, 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 c'est plus que ça. Dire meilleure amie, c'est pas assez, c'est pas assez. Tu es comme ma sœur, comme un membre de ma famille choisie. Et je te remercie sincèrement d'être avec moi pour célébrer mon anniversaire de mariage. Tu n'as pas à me remercier pour ça. Merci, bien sûr que si. Non, si je suis ta sœur. Ah, j'aime vous voir proche comme ça. Pour toi et pour toi. Mon cœur, merci. Je me mets merci. Au milieu. Mets-toi ici. Et je vais faire un vœu. Allez, on trinque. Allez. À ce Allez. Merveilleux, unique et incroyable deuxième anniversaire de mariage qu'on célèbre en famille. Bien sûr que oui, avec une famille choisie. Eh bien, dans ce cas, santé. Vous allez me faire pleurer. Je veux porter un toast, moi aussi. À la chance que m'a donnée Dieu de rencontrer deux personnes aussi fabuleuses que vous. Et trinquons aussi pour que ça dure encore pendant des milliers d'années. Amen, amen. Des milliers d'années de chance et de bonheur. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur ? Que fais-tu ici toute seule ? J'étais en train de demander pardon à mes fantômes. À tous mes fantômes, Reynaldo.
qu'est-ce qui lui arrive, Neke? Pourquoi elle pleure? Je vais l'appeler la chouineuse. Ben, parce qu'elle a craqué après que le type soit parti avec le gamin. Et regarde comment elle est. C'est pas croyable, hein? Ma pauvre. Je n'ai pas pu à savoir si j'étais sa mère. Je n'ai pas réussi à le toucher. Il ne m'aime pas, tout simplement. La seule chose qu'il a ressentie, c'est de la peur. C'est que pour ce bébé, je dois être comme un fantôme. Je ne suis personne. C'est pour ça, je ne suis rien. Tout le monde s'en fiche. Oh non. Parce que j'ai bien dû avoir une famille ou des amis. Pourquoi tu bois pas un peu d'eau pour te calmer et arrêter de pleurer? Pour tout te dire, tu vas me faire pleurer aussi. Prends. Laisse-la. Allez, bois pour te calmer. Ah, cette gamine. Écoute, c'était pas vraiment une bonne idée de laisser venir ce type, hein? Ce gamin, on lui a porté de la joie, regarde. Il lui a fait du mal et il l'a rendu triste. Bon, d'accord, mais laisse-lui au moins le journal pour s'occuper, hein? Tiens, prends ça. Prends le journal pour le lire. Prends-le, Maria, prends-le! Non, allez, en fait, non. Maintenant, oui, tu le veux, mais moi, j'ai plus envie de te le donner. En plus, tu sais, les journaux, c'est plein de mauvaises nouvelles. Et je veux pas que tu pleures, ma petite. Non, 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 pas question. Ciao, les filles, mais regarde, je te laisse l'eau, ma petite. Allez, profites-en et bois de l'eau, t'as compris? On va voir si tu pleures encore. Allez, ma grande, reprends ton mouflet, il est entier, ne lui manque rien, merci beaucoup. Merci à vous. Viens ici, mon petit chéri, allez. Ça va me permettre de nourrir mon petit. Tiens, prends ça, et file, hop, et ne reviens pas, allez. Ça y est, c'est tout? Non, et en plus, vous avez perdu le bonnet de mon fils. Regarde-la, celle-là. Tu sais quoi? Dégage avec ton gamin. Fous le camp, allez, allez, ciao, ciao, dégage. C'est vraiment une gourmande, celle-là. C'est vrai? Une gourmande. Alors, comment ça s'est passé? Vraiment bien. Et très mal en même temps. Écoute, le gamin a fait une crise et n'a pas arrêté de pleurer. Il ne voulait pas de sa soi-disant mère. Tu aurais dû voir ça. Ah, ça mérite un petit verre, tu ne crois pas? Oui. C'est vraiment génial. Raconte-moi tout. Non, il ne voulait pas d'elle. Il l'a rejetée. Il ne voulait pas d'elle. Et bien entendu, j'ai fait une sortie triomphale. Je lui ai juré que je ne lui amènerai plus jamais. Quand je suis parti, elle était en pleurs. C'est vrai? Ah, c'est ce que je dis. Santé, Melquiades. C'est exactement ce dont on avait besoin. Santé, santé, santé. À nous. Ouais, c'est ça. Grâce à toi, me voilà calmé, Melquiades. Patty, je vais aux toilettes, j'arrive. Je crois que j'ai oublié mon rouge à lèvres, d'accord? Ouais, laisse-moi ton verre. Hé, Véronica, Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai demandé de bien te tenir. Mais tu m'as même pas fait un seul compliment. Et alors que tu vois, j'ai fait des efforts pour bien m'habiller pour toi. Te plaît plus, c'est ça, hein? Je crois que tu as trop bu de champagne. Mademoiselle, venez avec moi, s'il vous plaît. Lâchez-moi! Mais la fête ne fait que commencer, c'est maintenant qu'on rigole! Il faut que je vous ramène chez vous. Mais lâchez-moi enfin! Attrapez-moi! Juanjo, tu es devenu fou! Mais qu'est-ce qui va se passer, Sissi Maruja? Bonjour, Armando. Oui. Pour être honnête, je ne suis pas d'humeur à aller au ciné, ni au théâtre, ni dîner. Rien. Tu as l'air triste, Maruja. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Rien de particulier. C'est pas ça, c'est que je vis actuellement l'un des jours les plus noirs de ma vie. Ne t'en fais pas, Armando, je te raconterai ça un autre jour. Oui, oui, je t'appelle. Ciao. Anna Julia, je ne peux pas. Je ne peux pas, sœurette. Je ne peux pas rester tranquille alors que ces salauds sont en train de salir ta mémoire. Je ne peux pas, sœurette, ce n'est pas juste. Ah.
Pancho, tu es devenu complètement fou. Fou. Moi? Mais c'est toi la coupable. Moi? Et pourquoi moi? Oui, c'est toi la coupable. D'être comme ça. Super canon. Tu sais quoi? On devrait t'emprisonner. Mm-hmm. Hein? Ou te mettre une amende. On devrait pas te permettre de te promener dans les rues. On devrait t'enfermer pour un bon bout de temps. Dans mon lit, tu as compris? Enfermé. A tanta inspiración, y yo que con mirarla ya pierdo la razón. Palabras de corazón.